chiffonner, on m'a traité de tout et tout. Et puis encore, ce qui m'a marqué, c'était la présidente qui m'a traité de statique, de ceci, de tout et tout. Mais je suis fier aujourd'hui de l'entendre Dieu dire qu'on n'attend pas l'argent de deuil et que nous, les artistes, nous avons suffisamment d'argent pour vivre en même. Je veux dire ceci, qu'est-ce qui se passe pour que la famille s'implique dans le deuil de Jeannette? Parce que quand Jeannette décède, Petit Piment, qui était l'un des proches du grand frère Jeannette, a estimé que non, il faut que le maire soit présent. Et pour que lui-même, il vienne désigner qui sera président. Comme on a désigné d'ailleurs Mme Beko, c'est la famille qui désigne Mme Beko comme président du deuil de Kabib Dian. Parce que Jeannette a une famille, chaque artiste a une famille. Tu ne peux pas te lever comme ça, tu dis que bon, c'est notre collègue, je suis président, on va organiser les obsèques. Comme ça que Bosco vient, il dit que ok, avec la complicité de Piment, que Longuet, tu es président. J'ai dit, ok, merci. C'était pas moi-même. Avec la complicité de Piment, que Longuet a pas nommé président. J'ai donc accepté parce que Piment, c'est mon chef d'orchestre depuis plus de 30 ans. Maintenant, quand les gens commençaient à râler, Longuet est incompétent, Longuet est instable, j'ai dit, ok, je démissionne. J'ai démissionné, j'ai fait comme les Français font. Parce que c'est les Africains qui signent sur les postes. Quand on dit que je signe, le président signe là. Même si les gens meurent, ils signent, ils ne parlent pas. Mais les Blancs, eux, quand ça ne va pas, ils démissionnent directement. C'est comme ça chez les Blancs. J'ai vécu un peu là-bas, pas beaucoup. J'ai fait 2 ans. Quoi. Un peu. J'ai vécu un peu, 1 an même. Donc, maintenant, pendant cette réunion, c'est là où il m'a dit que Ongan Kam, ça s'est passé que quand on avait les lettres, on allait chercher l'argent, on avait 20%. C'est Piment qui a même idée. Et on va. C'est ça, non? Moi, je n'ai pas le mot tambale. Voilà. L'idée de 20%. Ah, ok. Faut bien dire. Voilà, de 20%. Et cette idée de 20%, franchement, n'a pas gêné l'organisation du deuil de Jeannette. Ne mettez pas 20%, mais attendons le résultat. On veut le résultat comme le deuil de Jeannette. C'est ce que Bosman a dit tout à l'heure. Tous les deuils ne se ressemblent pas. Oui, ça ne se ressemble pas. Ça ne se ressemble pas. Mais ne faites pas comme si peut-être c'est pas manger l'argent. L'autre qui est venu, Maxime s'est venu dire qu'on doit payer les gens du bureau qui travaillent. Qu'après, on doit les payer. Et ce qui est normal, parce que les gens du bureau, ils abattent un travail. Ils gardent l'argent, ils font les comptes, ils font ceci. Ils font ça parce que quelqu'un est mort. Il faut quand même le taxi de ces gens qui travaillent. Pourquoi on donne le taxi aux artistes qui font la sécurité? Ils ne peuvent pas venir faire du bénévolat. Pourquoi on donne le taxi aux artistes et musiciens? Ma tenue a d'abord pris pour groupe A, groupe B. Puis mon farotage, il a encore pris la vie dans la course. Alors que je n'ai rien, vous payez les danseuses. Moi, je joue avec mes danseuses. Je suis le seul artiste qui est venu avec les libératistes. On me farote peut-être 200 euros. Ils prennent, ils mettent dans la caisse. Alors qu'on leur a d'abord donné 200 000, groupe A. Hein? Après, on a donné encore groupe B. Alors qu'il n'y avait pas de groupe B. Il y avait un seul groupe. Il a pris l'argent du groupe et il l'a mis dans la poche. L'argent de répétition. Mais vous dites de l'autre côté que si l'autre part te chercher l'argent, tu ne dois même pas avoir l'argent du taxi. Parce qu'on ne compte pas sur ça. Ceux qui jouent là, c'est les Mondapiles, qui prennent l'argent des commissions, les Coco Musica, ce n'est pas les musiciens. Ils ne vont pas travailler pour rien. Moi, quand j'allume ma caméra, j'allume ma page pour rien. Ils pouvaient travailler pour rien. Tous, même ceux qui ont démarré, nous. Vraiment, arrêtons ce débat. Arrêtons ce débat. L'essentiel, c'est que le deuil de Jeannette a réussi. Chacun qui a goûté un peu a goûté. Tout le monde. Même ceux qui ont dit qu'ils vont donner l'argent à Vision 4, ils ont pris l'argent là, ils ont mangé. On leur a donné 150 000 à l'Assemblée. Peu journalistes. 150 000, on a donné tout, on a validé. Sécurité,
on a donné, les tricots, les banderoles, on a donné à tout le monde. Vraiment, arrêtons ce faux débat, le deuil s'est bien passé. S'il vous plaît, et avançons. Merci. Voilà. Bonsoir à tous. Je crois que la grandeur d'un homme, c'est pas ce qu'il a, mais c'est ce qu'il fait. Tout ce que moi j'écoute là, dans ce que Longa a dit, il y a peu de vérité là-dedans. Dans tout ce que Longa a dit maintenant, il y a peu de vérité. Mais il y a aussi les contre-vérités pour moi. Pourquoi? Parce que Georges Dixon, qui est le président, qui est un ami d'enfance, parce que Dixon, moi, je connais, il n'avait pas d'album. Je l'accompagne dans le conseil scolaire, il fallait qu'il soit là. Et puis je lui dis que la grandeur d'un homme, c'est parce qu'il a mère. Ce sont les actes qui comptent. Parce que quand on nous dit que la famille est venue nous imposer, Nicole, tu n'étais pas là. C'était la première question, tout le monde est là. Ils sont témoins. Je me suis levé. J'ai dit à Bosco que moi, je ne peux plus pouvoir ici. Bosco, je le connais depuis plus de 35 ans. J'ai dit à Bosco, moi, dans l'année, on ne veut plus te voir. Parce que le père de ton frère, il se porte comme il a insulté les artistes. Comment les artistes sont bandits? C'est-à-dire que j'allais même qui meurt là, était un bandit. C'est ce que tu me dis. Parce que Jenner et moi, on se connaît depuis le début. Bon, bref, je passe dessus. Ce que mon frère a dit tout à l'heure, qu'il faut seulement le résultat, le résultat. Mais il y a eu des deuils. On a enterré de gens et de gens et de gens et de gens. Avec peu de moyens, comme a dit Nicole tout à l'heure. On a enterré des gens avec très peu de moyens. Et on a même enterré des gens avec trois personnes. Parce que je vais vous dire une chose. Je vous donne un exemple. Quand Evan Levanfeb est mort à Bujongo, je peux dire que c'est trois personnes qui l'ont enterré. Dédé Yango, Tonyus et Koupé Koti François. J'étais là, hein. On a reçu le bureau jusqu'à 23h. Il n'y a pas d'argent, on avait 50 000 francs. Un échec. Un 50 000. Parce qu'il n'est plus même. Il était absent. Il était absent, il ne venait pas. Quand Longuet dit que. Quand Longuet dit que. Nicole Mara. Là, tu étais de. Quoi, moi, au deuil de. Maman Gavena. Maman Gavena, au deuil de qui? Pardon, laissez-moi, je te donne la parole. Maman Gavena, au deuil de qui? Un jour, écoutez. Axel Moudameur. Quand Axel Moudameur, on est en réunion, on fait des réunions. Je trouve Maman Gavena chez Zoé. Je dis, Maman Gaya, elle est encore bien, elle marche bien, elle était bien. Elle venait d'ailleurs de faire un spectacle.